Et salut les loutes, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui, podcast qui sert un petit peu à rien, hein, comme on a l'habitude d'en faire de temps en temps, comme la plupart diront les mauvaises langues. On va parler un petit peu de plein de choses. Podcast qui sert un petit peu à rien, pourquoi ? Parce que pas grand chose, tout simplement. Il y a eu des nouveautés dans ma petite vie personnelle, un petit point sur la série The Mac For You, et c'est tout plus ou moins ce que j'ai à vous dire. Donc si vous m'avez suivi sur Twitter, le gros point du jour, c'est tout simplement que je pense ne plus trop avoir besoin de déménager. Vous le savez, l'appart dans lequel j'étais me plaisait pas du tout, il y avait des opportunités de taf un petit peu à d'autres endroits sympathiques, donc j'avais envisagé de quitter notre petite banlieue grenobloise. Je l'avais pas dit à grand monde, pour partir ailleurs, je sais pas, vers Nîmes, vers Toulouse, vers Nice aussi éventuellement, ou Paris. Toujours est-il que là, donc vous le voyez derrière, le décor a un petit peu changé. On va essayer de tourner la bestiole gentiment pour vous montrer, hop là, à quoi ça ressemble maintenant. Alors voilà, donc voici ici une superbe entrée. On va faire une mise au point un peu plus loin si vous ne m'en voulez pas. Hop là, superbe fougère. Mais donc voilà, donc l'appart maintenant il est comme ceci. Avant ici il y avait le bureau, si vous vous en souvenez. Mais l'appart maintenant est comme ça. Donc le petit meuble rouge, l'étagère à dégager au fond. Ça fait qu'on a ici un petit coin qui est plus salon, plus détente. Ce qui va faire que je vais pouvoir vous tourner des vidéos assis sur le canapé, ou faire des petites photos de soirée plus sympas, faire des soirées sympas tout simplement. Et ensuite le bureau est venu donc ici sous l'escalier tout simplement. Alors là, hop, comme je suis avec mon système à la con avec le trépied, vous vous en doutez que je tape un petit peu partout. Donc voilà à quoi ressemble le bureau. Tout, rien d'extraordinaire, là, c'est une planche avec un iMac dessus. Le gros point, c'est que vous voyez l'iMac est là, et en face, il y a le canapé. Donc du coup, les séances cinéma risquent d'être assez sympathiques, avec les petites enceintes Altec ici, et un caisson qui traîne par là-bas dessous. Ça devrait permettre de faire des trucs un petit peu sympas. Donc pour vous donner une idée, d'ailleurs je pense que le podcast, on va le finir comme ceci, ainsi j'arrive à réincliner cette merde, saleté de trépied. Voilà, allez, je fais une petite mise au point et j'arrive, on va papoter là. Tadam, tadam, tadam. Donc la série The Mac For You, second point de ce podcast, où on en est concrètement? On a fait 3 petits épisodes. Le premier, c'était la mise en place du SSD dans le MacBook Pro. Le second, c'était l'application du film anti-reflet, pas réellement podcast pour débutants, c'était plus histoire de vous montrer comment on appliquait un film anti-reflet et ce à quoi on pouvait s'attendre. Troisième podcast, ça a été Safari NetNewsWire Mail, enfin Safari NetNewsWire Internet, NetNewsWire et Mail. Dans la suite des événements, je voyais un petit podcast sur iPhoto, un petit podcast sur iMovie, étant les deux outils qui me semblent les plus pertinents d'utiliser si vous traitez un petit peu des fichiers photo-vidéo, c'est le classique. GarageBand, pas nécessairement, parce que si je me mets dessus, je vais y être encore pour 4 heures, voire vouloir installer Logic Express ou Logic Studio. Donc, à peu près tout. Après, ce qu'il faut que vous me disiez, c'est que le but de ces podcasts, The Mac For You, c'est d'essayer de réatteler les débutants, en fait, les nouveaux débutants, si je puis dire, à ceux qui me suivaient au début. Tout simplement, si, ben, en fait, s'il y a des sujets que vous désireriez aborder, dites-moi-le. La plupart de ces sujets ont déjà été abordés dans le blog, c'est pour ça qu'il y a une partie archive, un champ de recherche. N'hésitez pas à vous balader dedans si vous avez une question avant de me la poser directement. Il y a de fortes chances que le sujet ait déjà été traité. Tout n'a pas été traité, loin de là, mais il y a quand même les grands classiques qui ont été faits sur le blog. Donc le but du jeu de la série The Mac For You, c'est d'essayer de rattacher les nouveaux qui débutent sur Mac au wagon de ceux qui, à l'immense majorité des lecteurs, qui sont là depuis un petit moment ou qui connaissent déjà un petit peu leur machine, etc. Donc vous, les switchers, les heureux possesseurs de nouvelles machines Apple ou tout simplement débutants sur Mac, si vous avez des idées de podcast, des sujets que vous aimeriez voir abordés, je sais pas comment configurer un réseau, comment partager des fichiers facilement sur Mac, quel client Twitter utiliser, je vais vous faire un petit court métrage entre guillemets sur Twitter. C'est prévu, vous inquiétez pas. S'il y a des points que vous voulez aborder, les commentaires sont là, parlez-en, demandez-moi, et puis il n'y a pas de souci, moi j'ai du temps pour le moment. J'ai du temps, donc on peut s'occuper de faire ça. Comme vous avez vu, l'appartement prêt à faire aussi des petits courts conseils, vidéos sympathiques, etc. Donc pas de souci. La série donc The Mac For You, moi je pense enchaîner sur iPhoto, iMovie. Dites-moi ce que vous en pensez, clairement.
Et c'est tout ce que j'avais à vous dire plus ou moins aujourd'hui. Moi je suis super content de là où je suis posé en ce moment, d'avoir un petit appart où je me sens enfin chez moi, parce que c'était le cas à Tarbes, j'étais très bien, mais à Grenoble c'était vraiment pas le cas. Je me suis jamais senti excessivement bien ici et j'avais violemment envie de bouger un petit peu tous les matins en me réveillant. Donc voilà, tac tac, appart, the Mac for you, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a des tests en pagaille, je m'excuse encore une fois, il y a un test de GPS qui doit arriver, il y a trois tests de GPS, pardon, un GPS dédié et GPS sur iPhone. Il y a des tests de matos audio qui doivent arriver, et ça traîne sous le bureau depuis un moment, je les vois du coin de l'œil, c'est pour ça que je regarde pas mal à côté, ça doit arriver aussi. Il y a des disques durs qui doivent être testés, il y a plein de petits trucs et je suis à la bourre. Donc on va finir cette série The Mac for You rapidement, dites-moi ce que vous voulez et ensuite on rattaque sur le rythme normal du blog en espérant que tout le monde ait suivi l'histoire. Je crois que je vous ai tout dit. C'était Locan pour Locan.fr. Passez une bonne fin de journée. Ciao, ciao. Wouah. Oh, le cadrage des bords que je lui ai mis. Merde. Fais chier, putain, t'as vu le cadrage des bords que je lui ai mis? Truc de dingue. Et non.